à tous. On est heureux de vous voir ce matin. Merci. Alors, ce matin, on vous remet le passeport de l'écriture pour les activités qui vont se dérouler tout au cours de l'automne et qui vont se terminer par un grand spectacle au mois de janvier à la Maison de la Culture avec le tirage de nombreux prix. Alors, ce matin, les petits sont invités à faire le tour des tables, des dames avec des grands chapeaux. Beau témoignage à l'intérieur. Ça, c'est pour vous aussi. Bienvenue. On s'arrête. Madame. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Comment t'appelles? C'est quoi ton nom? Marianne. Sarah. Bonjour, Marianne. Et quelle couleur mon chapeau? Il est vert. Orange. Où est la couleur orange? Montre l'orange. Voilà. Ah, ben oui. Bienvenue. C'est un petit poisson ici. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue. Et toi, comment t'appelles-tu? Oui, je sais. Moi aussi, ce matin, ça me tente pas. Je le sais. Mais moi, je m'appelle Adna. Ah, regarde. Oh, il y a vert et orange. Bonjour, président. Comment t'appelles-tu? Ben oui. On en aura deux. Vous allez en Adrien. Voilà, là-dessus. Orange. Voilà, merci. 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 Maman, j'en ai trois. On continue. Trois. Prends ça. Un, deux, oui. Trois. Voilà. Merci. Et voilà. Ah, ben non, pas sur les deux mains. On pourrait continuer longtemps comme ça, les mains, les pieds. Il est quelle couleur, le chapeau de la dame? Bonjour! Comment t'appelles-tu? Comment? Maman, tu es dans le carré? Oui. Ah, je te parle plus vite. Quel est le titre du livre que tu as choisi? Tu te marcheras dans un Knishko. Quel livre? Kirikou. Kirikou, bravo. La maman, quand elle m'a affiché Kirikou, quel est le nombre de personnages que tu préfères? Oui. Alors nous, c'est le chapeau rouge, là, dans le passeport. Donc ensuite, il faut que tu trouves tous les chapeaux. Ah! Bonjour! Un, deux, un, deux, un, deux, trois, un. Je les accueillir de toutes petites choses. Il aimerait voler aussi haut dans le ciel que son ami l'aigle impérial. Toi, tu connais Jacques? Qui les connaît? Voici la maman de Georges. Et elle lui dit: allez, ça va, Georges? Et Georges lui fait: mais non, Georges. Ce sont les chats qui font miaou. Les chiens, ils font. Avec les deux pères. Comment ils font les chiens? Ça l'a arrangé le même. Allez, à toi, Georges. Le vélo? Non? Le ballon? T'as déjà été en ballon? Oh, moi, je suis jamais allée en ballon. En bateau, est-ce que tu es déjà allé? Non? Et en auto? Oui, ça, tu es déjà allé. Hey, c'est la même page. Tu en as sorti deux pareils? Non, stop.
Merci. Alors, bienvenue à la Bibliothèque Onisic. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous la fréquentez souvent. Hein. On a une belle bibliothèque dans notre quartier. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de participer au lancement du festival Je lis, tu lis. Alors, c'est vraiment pour aider les favoriser finalement la maturité scolaire, que nos enfants arrivent à l'école avec les compétences qui vont leur permettre de bien réussir. On sait qu'à Montréal, on a un problème. Il y a 35% des enfants qui arrivent à l'école qui ont une carence au niveau du langage. Et comme parents, nous, on peut faire quelque chose. En fait, les études le démontrent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire avec notre enfant, l'accompagner dans la lecture, lui donner le goût de lire. Vous n'allez pas me manger? Vous allez pas me manger? Oh! Certains, certains? Ah, chouette! Ça me donne envie de chanter. Ah! Musique maestro! Ouais! Ah, vous pouvez taper dans vos mains. Allez! Wouh! Mon nom, c'est Amidal. 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 C'est parce que j'ai des amygdales. 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 Avouez que c'est spécial. Avouez que c'est spécial. Avouez que c'est spécial. Vous êtes assez original. C'est assez original. Vous êtes assez original. C'est assez original.